Salut à tous, et oui les Bodytagos, aujourd'hui on se retrouve pour le troisième entraînement, la troisième évolution de l'entraînement cuisse abdos fessiers triceps. Voilà, si vous avez raté le premier, vous pouvez cliquer ici. Si vous avez manqué le deuxième, pareil, cliquez ici. Pourquoi ? Donc c'est le troisième entraînement qu'on a préparé pour Auréa de la chaîne Un Monde au Féminin avec une évolution pour qu'il soit de plus en plus dur. Exactement, donc en suivant ces entraînements, vous allez devenir de plus en plus forte et travailler votre corps au maximum. C'est parti, on attaque pour ce troisième entraînement. Allez, go. Alors, pour cet entraînement, vous allez avoir besoin d'une chaise ou d'un set, d'un banc, de n'importe quoi. Vous allez pouvoir faire des dips dessus, donc que ce soit surélevé pour faire des dips. Ok, c'est parti. On part pour le premier exercice, les squat jump. Donc squat jump, descendez les fesses loin derrière, faites attention que vos genoux ne dépassent pas la pointe de vos pieds. Le poids du corps sur les talons, les abdos bien serrés, le dos bien droit, en soufflant longtemps, on inspire en descendant. Le but, c'est de dévoiler le plus haut possible. Et vous faites ça pendant 30 secondes. Ensuite, on passe à l'exercice numéro 2. Ok, et donc on passe au deuxième exercice pour travailler les abdos et les fessiers. Donc là, c'est du gainage. Vous faites des petits rebonds, une jambe tendue. Et là, on reste sur une seule jambe pendant 30 secondes avant de passer de l'autre côté. Voilà, là, vous faites bien attention de garder le bassin engagé vers l'avant, comme si vous vouliez rentrer les fesses, les épaules, les fesses et les pieds dans le même alignement, forme une belle planche et on aspire le ventre au maximum. On passe ensuite au troisième exercice. Troisième exercice, les dips pour travailler les triceps et l'arrière des bras. Donc, au niveau de difficulté qu'on va choisir, c'est les genoux fléchis et les pieds proches de vous. Plus les pieds seront proches de vous, plus ce sera facile. Le but, c'est de souffler en montant pour travailler justement l'arrière des bras, rester bien proche de votre chaise et donnez-vous à fond pendant 30 secondes. Ensuite, on passe au quatrième et dernier exercice. Et voici le quatrième et dernier exercice. Donc là, vous travaillez intérieur, extérieur des cuisses, les petits fessiers et bien sûr le cœur pour consommer un maximum de calories et avoir le corps le plus tonique et ferme possible. Ça va ? Vous faites ça pendant 30 secondes aussi. Et voilà les Bodytagueuses pour ce troisième entraînement spécial cuisses, abdos, fessiers, triceps. Et oui, j'espère que ça vous a plu, que vous êtes donné à fond. C'était la troisième évolution. Rendez-vous dans deux semaines pour la quatrième et dernière évolution. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Vous savez, vous pouvez nous retrouver aussi sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Google+. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi les mettre directement dans les commentaires de la vidéo. Pensez bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube Bodytime pour ne louper aucune vidéo, que vous soyez un homme, une femme, quel que soit votre objectif physique. Il y aura une vidéo qui correspondra pour vous. Si vous voulez regarder les entraînements précédents, n'hésitez pas à venir voir sur notre chaîne. On se dit à très vite. On se dit à très vite et surtout d'ici là, gardez la pêche! On se retrouve dans deux semaines pour le dernier où là vraiment il va falloir tout donner. Voilà, refaire, on était pas bon dès le début.